commencer par le premier chapitre, les menaces modernes de la sécurité informatique, où voilà, en quelque sorte, les menaces, les attaques, les kinim, pour pouvoir les sécuriser. Normalement, on sécurise pour quel type d'attaque. Donc, les premières questions qu'on va se poser, il y a qu'est-ce que la sécurité informatique. Donc, on a une petite définition. Donc, c'est un ensemble de toutes les techniques, les technologies, ou les compétences, que ce soit le côté logiciel, que ce soit le côté matériel, que ce soit le côté organisé, juridique et même canonique, ou bien sûr humaine, la compétence, il y a qui joue le rôle, donc celui qui va sécuriser, c'est une personne, et il doit avoir des compétences, la sécurité pour pouvoir sécuriser. Et la mise en place de procédures ou là, des règles, on va essayer de suivre des règles qui seront conformes, mais qui fichent les nouvelles technologies, la sécurité, la compétence, ou là, aussi, l'entreprise, la sécurité. Et tu peux, nous sécuriser avec les dernières technologies, il a qu'un horaire, les utilisateurs ne sont pas avisés ou ne sont pas sensibilisés, la chaîne de la sécurité qui est brisée. Donc c'est pour cela que la sécurité, c'est une chaîne interactive, bien plusieurs intervenants. Voilà, donc l'objectif, on va sécuriser, on va protéger contre une utilisation non autorisée, une utilisation les mêmes ou bien la modification ou là le détournement donc je ne sais pas et le système d'information de l'entreprise. Voilà. Donc, en gros, c'est utiliser des techniques et respecter des règles pour protéger le système d'information de l'entreprise contre toute utilisation non autorisée. Les données les entreprises, le matériel, ou les biens, la propriété de l'entreprise, tout ce qui est matériel, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est données. Tout ce qui est personne aussi, les personnes thermiques qui sont sécurisées. Moi, au Hamad Al-Khalashfad, mon devoir, l'entreprise Koula qui dit la sécurité, qui les biens d'Yalha, qui le mot d'affaires, qui permet aïe haja. Maintenant, on va s'intéresser plus à la sécurité informatique. Donc, pourquoi la sécurité? La deuxième question, c'est pourquoi la sécurité est importante? Elle achète la sécurité, Mohima la Daraja. Déjà, les données, les choses, une sécurité de l'entreprise. Déjà, l'évolution des techniques des attaques. Les attaques. تطوروا حتى لي زاتاك الى تقارب لي زاتاك ديال هادي واحد 20 طون مع لي زاتاك ديال دابا غيان افوار دونك كاين تطور في لي زاتاك لي زوتي اوسي ديفلوبي ديال لي زاتاك ولاو فاسيل دوتيليزاسيون اي واحد يقدر ياخذ واحد لوتي يقدر ميم يتيليشارجي سور انترنيت ويجرب دونك افون كانوا لي زوتي قلال ديال les attaques ou là, ديال les tests ou quand la compétence ديال ceux qui vont l'utiliser كانت عالية بزاف كانت الناس les utilisateurs اللي كانوا كيستعملوا هاد les outils قدام كانت عندهم une compétence vraiment في domaine. Par contre d'abord ou là où des outils qui sont très faciles à utiliser par n'importe qui même les novices ou là donc les utilisateurs non expérimentés peuvent utiliser les outils. C'est le grand danger. C'est à la portée de tous, où tout le monde peut les essayer, ou si quelqu'un l'essaye dans l'entreprise, il peut causer des dégâts. Ou là où des nouvelles menaces se manifestent tous les jours,
presque quotidiennement, quand je vous parle la suite qui est indécis, les cadrons chauffent, les attaques, les menaces, les kinines, chaque jour, il y a des menaces, des attaques qui sont effectuées sur des systèmes. Ou la meilleure des choses, il y a un préserver l'intimité, le système d'information. Et aussi, cybercriminalité en pleine croissance. Le terme les les attaques ou des cybercriminels. Les cybercriminels, vous les pirates ou les attaquants, les qui connaissent cybercriminalité. Donc ce sont pas des criminels qui diront des crimes directs les victimes de l'homme, ce sont des criminels qui sont cachés derrière leur écran. Donc, je suis des cybercriminels. Ou de la cybercriminalité, ou l'être en yéni, chaque jour, qu'il y a des crimes qui déroulent sur Internet. Qui est concerné par la sécurité? La troisième question, je connais, yéni, mais la sécurité. La sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Donc, l'entreprise, Marangoulouche, a la sécurité qui est seulement elle, le service informatique. Là, la sécurité, c'est une affaire de tout le monde. Il y a un exemple du grand patron, l'agent de sécurité, qui est l'entrée de l'entreprise. Tout le monde est connu, mais il respecte les règles de la sécurité, l'idée en tant que responsable de sécurité informatique de l'entreprise. Ou qui fais-je reconnaître concernés, tu dois les impliquer. Parce qu'en cas, très loin fait le monde d'homme, ou dire ce qu'on appelle une sensibilisation, dit-elle, la sécurité. Et ni, par l'angle de l'ouai, trafait l'ouai, dit le monde d'affaires, de la sécurité, de l'autorat, dit les attaques, je ne sais pas si je vous dis, ou je vous parle la suite, bien qu'il y a une stratégie, ou un document qu'on doit faire, un ensemble de règles, que les utilisateurs doivent respecter pour garder le niveau de sécurité mzien le réseau. Les cartes d'attaque en direct, même sur Internet, des sites où tu vois qu'est-ce qui se passe directement. Des sites, des professionnels de la sécurité, les qu'il y a des menaces ou là des attaques en temps réel, ou qui doit analyser. Mais c'est juste ce qu'on appelle des signatures d'attaque ou des tarifs. On a d'ailleurs, je ne sais pas, la machine arrière, par exemple, la machine arrière de Google. Map, une carte. Je vais donner observer les sites, les qui diront en temps réel. Voilà, donc les cartes de menace, cybermenace. Donc qui diront l'autre, même trop le détail, où tu vois les attaques. L'équipe d'Yann, donc il y a aussi la Digital Attack Map. Moi, c'est un navigateur de recherche, dire où ma carte d'attaque, ou la attacks map, où là, je vais les combler, les différents sites. Puis parmi les sites, là, qui dit Kaspersky, voilà ça, qui dit Fortinet, ce sont des entreprises, la sécurité. En même temps, tu diras l'analyse en temps réel d'elle. Voilà, donc, si vous voulez. Même tout à tête reposée, vous pouvez voir à les sites, tu vois même les types d'attaques liquides. On va reprendre. Voilà, donc, ce qu'on appelle les cartes d'attaque en direct.
les droits de consulter à tout moment sur Internet. Donc les termes courants, avant même de la sécurité, car sinon, elle a la terminologie utilisée, quelques termes qui sont utilisés, la sécurité informatique. Donc en premier, le terme, c'est plutôt l'actif, asset en anglais. L'actif, il y a toute chose de valeur. Alors, les biens, les biens de l'entreprise, les biens ont normalement une valeur. L'actif. Normalement, ce qu'on va sécuriser, c'est l'actif. L'objectif de la sécurité, c'est de pouvoir sécuriser et protéger l'actif de l'entreprise. Qui a la vulnérabilité? La vulnérabilité ou les points faibles, ou la faiblesse, ou les failles de sécurité, les failles, les cas de def, ou le HHA, j'aimerais l'interroger en arabe. Donc, c'est la faiblesse du système, ou de la. Donc, c'est une faiblesse, le trou, ou une faille du système, et ma date la conception, ou la. C'est une négligence, mon paraf, avec l'éditeur du système. Quel exploit? L'exploit, il y a la méthode utilisée par l'attaquant, il dit l'attaque dialogue, quand c'est l'exploit, il y a l'extérieur. Ou l'exploit, qu'est-ce qu'il y a? Ni qu'il y a la vulnérabilité. Donc l'attaquant, je ne sais pas si il y a les termes fumés. L'attaquant, qui chauffe fin qui a la vulnérabilité, fin qui est d'œuf, fin qui est une carte d'œuf avec le système. Ou من خلال هذاك الضعف qui dit l'exploit, يعني qui est qui dit استغلال, qui استغل هذاك الضعف ou ديك الثغرة باش يدير l'attaque ديالو. Donc la méthode li qui استعمل les méthodes ou les techniques li qui استعمل l'attaquant باش يدير l'attaque ديالو, هي normalement c'est كتسمى l'exploit, يعني exploiter la vulnérabilité. استغلال نقاط الضعف ولا ديك الثغره ولا ديك الهشاشه في السيستم. كاينه لا مناس تهديد ثريت دونك تهديد ولا التهديدات اون جينيرال هو نورمالمون نقدروا التهديد سي ديجا سي ان دونجي سي خطر غير تهديد نورمالمون سي كيجي من ملي كيكون عندك بحال دابا لي فولنيرابيليتي راه عندك تهديد ان شي حد يكسبلواتي هذيك لا فولنيرابيليتي كور دونك التهديد نورمالمون الي تا هو لي بلو دوغري ولا لو نيفو ولا لو نومبر ديال لي فولنيرابيليتي اللي عندك كل ما كان لو نومبر دو فولنيرابيليتي قليل كل ما كانت لي مناس تاهم قلال كل ما طلع لو نيفو لو نومبر دو فولنيرابيليتي عندك في لي سيستيم ديالك ولا في لو ريزو ولا في الماتيريال ولا في n'importe quel dispositif informatique, comment la menace taille katla. D'accord, donc le risque ou le khatar, le risque en gros recouvre les risques matériels. Donc, rendirou le farq, les hadoum tdakhlin chouya la menace ma le risque, rendirou lehom le farq. Donc juste après le diapositif, rendirou la différence binatoum bach nkhallou binatoum. L'atténuation ou la mitigation en anglais, safeguard, il y a normalement ce qu'on appelle aussi la contre-mesure. Tarfif d'arar, l'atténuation, il y a tarfif d'arar. Elle se met à tarfif, normalement, on ne peut pas sécuriser à 100% un réseau. Il y a aussi les meilleures techniques, les meilleures dîmes. Tu ne peux pas sécuriser à 100%. Il y a donc les techniques les cadres seulement pour atténuer les risques. Rien parce que tu réduis le risque. Quand tu réduis acter le risque, comme même bien. Rien dit mal dire balk en tant que responsable de la sécurité ou là, si tu as liké une sécurité, tu ne peux pas sécuriser toujours à 100%. Voilà, donc on dit l'actif, on dit la vulnérabilité, on dit l'exploit, la menace, le risque ou l'atténuation. Bien sûr qu'il y a d'autres termes, mais il y a des mots même qui servent. Petit à petit, on peut en trouver d'autres. Quelques affirmations essentielles. Les menaces,
les menaces, ils sont réelles. Chez Kedba, là, vraiment, qu'il y a une menace informatique. Yani, dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Yani, tu seras menacé par les menaces informatiques. Des exemples sont rendus plus quotidiennement que maintenant, les sites sur Internet. Chaque jour, il y a des menaces, chaque jour, il y a des attaques, des systèmes, des réseaux. Donc, dis-moi qu'il y a des attaques. Donc, c'est une chose qui est réelle. Personne n'est exempté. Il n'y a pas de même avis, il sera une menace potentielle sur Internet. دير بالك انك انت راه معني وانت انت واحد تقدر تكون بارمي هادشي الا ما كنتيش بارمي لي جون او لي سيستيم لي ايزون تيتي انفيكتي. ناخذ اوسي اون اوتر افيرماسيون بان لي زاتاكون سون ديليجون اي انتيليجون. لي زاتاكون يعني الا بغينا نترجمو بحال مجتهدين وذكيين. ديما لي زاتاكون ديما في اجتهاد انه كيجتهدوا انهم باش يخترقوا لي سيستيم و سو سون دي جون نورمالمون اللي عندهم واحد سيغتان انتيليجونس انهم باش يشوفوا كيفاش انهم يوصلوا لي سيستيم ديستون. دونك الا كانوا هما ديليجون اي انتيليجون قالك لي ريسبونسابل اون سيكوريتي تا هما يدوا سويفر هاد لافيرماسيون تا هما خصهم يكونوا ديليجون اي انتيليجون. يعني كما قلت اون فا سو ميت دون لا بو ديال ان اتاكو باش تعرف على لي زاتاكو باش تسيكوريزي tu dois te mettre dans la peau d'un attaquant. Bien sûr, l'objectif ديالك ماشي هو تاتاكي, l'objectif ديالك هو انك تسيكوريزي. دونك هنا نديرو لا ديفيرونس بين لو ريسك. يعني سي كوا لا ديفيرونس ريسك كونتر مناس, يعني اي لي مناس. هنا غير باش نسهلو ملي كتسمعوا لا ريسك, لو ريسك نورمالمون il est lié quelque chose qui est matériel ou la technologique. Par contre, la menace fait à l'intention humaine. La menace fait à nia, bhal kanqulu nia mubayyata ديال شي حد اللي بغى هو يأتاكيك. D'accord? Donc, غير باش حنا en informatique, les risques, كندوي على ريسك ou menace, la menace هي ان كتجي من بعد واحد لاتاك, يعني واحد لاتاكو دار دي تكنيك ديالو باش يوصل ليك باش يخترق لو سيستيم ديالك. هذيك سي اون مناس. لو ريسك اون جينيرال, لو ريسك سي كيكون اما ناتوريل او لا ماتيريال او دونك لي ريسك اوكيل اون ريزيرف لو تيرم دو مناس كي سون لو برودوي دون انتونسيون هومين مال فيون خبيته واحد 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 النيه ديال شي حد لي خبيته. D'accord, mais c'est vrai que les termes tahoma ils sont qui t'utilisent d'une façon dans la sécurité risque menace. غير حنا باش نفرقوا بيناتهم. Donc les menaces normalement qui jouent من عند des attaquants, يعني des personnes qui ont des intentions malveillantes. Les vecteurs d'attaque de réseau. Les vecteurs بحال نقولوا كيفاش كيتنقل هاد ou les moyens pour véhiculer une information. Il y a de l'attaque. Mais quand tu as dit, tu as dit, par exemple, on a dit que tu as dit que tu as dit. Quand tu as dit l'attaque, tu as dit que l'attaque. Il y a de l'attaque, par quel moyen qui dira? C'est seulement les vecteurs d'attaque. Donc, un vecteur d'attaque est un chemin ou tout moyen par lequel un attaquant peut véhiculer son attaque pour accéder à un serveur, à un autre, à un réseau. Je n'ai pas dit le moyen, le système, باش يشيميني ولا يفيكولي ولا ينقل لاتاك ديالو. جو سي با بحال دابا اتش تي تي بي اس اس اش جو سي يعني نامبورت كيل موان اما في الريزو او لا يقدر كيما قلنا ميم غير المهم نشوفو باغ لا سويت لي ديفيرون فيكتور. لي فيكتور داتاك بوف ايغالمون بروفنير دو لانتيريور دو ريزو. دونك دابا ديما كنهزو الهم ان ديما لي زاتاك كيجيونا من الاكستيريور من الانترنت. لا, في اون انتربريز
Le responsable de sécurité, il doit avoir l'affirmation incontestable. Les menaces, c'est qu'elles sont d'intérieur. Ou c'est le grand danger. Au sein d'une entreprise, ils sont autorisés à entrer dans l'entreprise, à trouver les bureaux d'eux, ils utilisent le matériel, ils utilisent le réseau. Ce qui fait que l'attaque de nous, c'est très facile à avoir une menace de nous. Ils ont déjà l'accès. Mais si vous avez un peu de temps, il y a Allah qui teste, qui fait que l'accès. La première phase, il doit gagner l'accès à le réseau. Ou bien il le réseau, il dit chauffage nous réduit. Là, il doit d'abord l'accès au réseau. Si il entre, tout le chef, ils sont autorisés, qu'ils entrent dans le poste dialogue sans problème. Ou bien il a le poste dialogue, il par accident, involontairement, ou là volontairement, il se bloque. Donc c'est pour cela que on va veiller aussi à ne sécuriser l'intérieur. Une étude qu'on a faite avant, j'ai vu qu'il y a environ 85% des attaques qui viennent de l'intérieur, qui viennent de l'extérieur. J'ai vu l'impact de ces menaces. Donc 85% des attaques qui viennent de l'intérieur. L'entreprise, oui, Allah, l'achetine ou la 15% qui joue de l'extérieur, de l'internet ou de l'internet. D'accord, donc un utilisateur interne tel qu'un employé peut accidentellement ou intentionnellement, c'est-à-dire, maintenant, un tariq al-khata ou amden, il peut dire un tariq al-khata ou l'amden, il dit voler et copier des données confidentielles. Il met ça ou là, il dit des copies des données qui sont confidentielles sur un support amovible, ou un support les câbles isala, on a aucun harco, on paye deux mille dollars. Donc, il y a des disques amovibles, les clés USB. Donc, un courriel, un mail, hein, les courriels ou les messages mail, il y a un contenu dialogue, un logiciel de messagerie et d'autres médias. Il y a qui m'a dit qu'il des données, copier des supports, et moi, qui m'a dit, mais ou là, bravo, vraiment, il a dit que la donnée, ou bien, je ne sais pas, dit que la clé, ça. Il a dit que l'information, il a dit que la clé, ou ça, il m'a imprimé, avec le document, il a dit que la clé, ou une clé, ou ça, les vecteurs, le vol ou la copie des données. Compromettre les serveurs internes ou les périphériques infrastructures. Donc, compromettre, c'est un goulot ihtiraq. Un serveur compromis, c'est-à-dire normalement, il a été attaqué. Compromettre les serveurs internes ou les périphériques d'infrastructures réseau. Imaginez l'utilisateur qui m'a dit non, il a واحد لوتي وبغى يجربو عندك في لونتربريز وهذاك لوتي نورمالمون اما كما قلنا يقدر يديرها متعمد او لا غير متعمد وتتفاصو حنايا لوبجيكتيف ديالنا هو انه تسبب لك في واحد الخطر عندك في الريزو دونك سي بور سولا كو حنا ما سي فري كو حسن النيه مزيان ولكن في لا سيكوريتي ديما سوء النيه علاش دار نورمال ما خصوش يدير هادشي Déconnecter une connexion réseau critique et provoquer une panne, et la même chose, un utilisateur force le réseau, il peut aider, par exemple, un routeur, un switch à plein portée, la portée dialogue, il peut être couloir ou un serveur, il peut débrancher, débrancher un périphérique, l'essentiel, les utilisateurs qui sont mobiles, alors il peut être la démarche ou le travail des utilisateurs. Connecter un lecteur USB infecté dans un système informatique d'entreprise, la même chose qu'un d'infodar sur Internet ou un projet dialogue qui dit des recherches. La clé dialogue fera, je ne sais pas, l'autorun qui est exécuté automatiquement, hein, il a été infecté par l'Internet ou l'autorun. Je ne sais pas, le jeu téléchargé à la clé, en même temps, le document dialogue qui fait le rapport à l'entreprise, braider.
la clé في البوست ديالو في لونتربريز باش يكوبي هذاك الترافاي اللي دار في الدار اوتوماتيكمون هذاك الاوتوران ديال لا كلي غادي تيكزيكوتا وعلم الله اشنو فيه يقدر يكونوا فيه دي لوجيسيال مالفيون وانفكتيو البوست ديالو باغ لا سويت كاين دي لوجيسيال مالفيون انهم يقدروا ينتشروا في لو ريزو يعني عندهم اون بروباغاسيون فاسيل في الريزو Voilà, donc c'est pour cela que si nous redoublons les vecteurs d'attaque, on a une idée pour les sécuriser. La perte de données. La perte de données parmi les vecteurs, les FNA aussi, la perte, parfois que l'exfiltration, perte, ou le fokdan, ou l'entreprise qui كتفقد لي دوني ديالها دونك ليكسفيلتراسيون هي استخراج بحال دابا نورمالمون قبل ما ندير اكسفيلتراسيون راه كدير سكون ابيل لانفيلتراسيون حيت كاينه انفيلتري هي التسلل وكاينه ليكسفيلتري ولا اكسفيلتري اكسفيلتراسيون هي استخراج المعلومه دونك لا بيرت دو دوني Ou l'exfiltration de données se produit lorsque des données sont volontairement ou involontairement, volontairement ou involontairement, ou voler ou divulguer dans le monde extérieur. Parmi les pertes de données, ou un les données وي ديفولغيوم شنو ديفولغي يعني بحال نقولوا بحال واحد السر ينشروا في الانترنت يفضحوا عندك واحد لا كونفيدونسياليتي عندك في لونتربريز هو نورمالمون غادي يسرق هذه المعلومه ويديرها اكتوالمون في الانترنت او لا في واحد الريزو سوسيال او La perte de données peut entraîner un dommage à la marque et la réputation réputation بحال نقولوا سمعه مني بحال دابا ايماجيني واحد المعلومه عندك مهمه وشي حد جابها وديف الا ديفولغي سوغ انترنيت ديجا السمعه ديالك انت اون طونك انتربريز لان هذيك لا دوني عندك مهمه وتوصل شي حد انه ياخذها ويديفولغي يعني السمعه ديالك كتهز في parmi les entreprises sur internet perte d'avantage concurrentiel يعني بحال ديك الميزه التنافسيه ديالك في لو مارشي ديال لي زونتربريز غطيح بيرت دو كليون بار لا سويت لا بيرت دو كليون لان لي كليون نورمالمون مي غيشوفوا لا ريبوتاسيون ديالك ديك السمعه ديالك طاحت نورمالمون ما غيكونش عندك لي كليون بزاف و زالي بيرت لونتربريز غا بيرت بوكو دو كليون لا بيرت اوسي دو روفوني يعني المداخل ولا الدخل Puisque ce sont des choses qui sont liées. Il a mis la réputation, l'avantage d'elle concurrentiel, les partenaires d'elle concurrentiel, les quatre concurrents. Donc, il faut que je sois l'avantage. Il y a des primes d'elle qui sortent, par la suite, les clients me reprochent, ou par la suite aussi, le madakhil d'elle gratuit. Il y a vraiment l'entreprise, remarquez, il y a une simple. انفورماسيون اللي كانت عندك الا تي ديفولغي شنو سبات لك باش نعرفوا بان سيكوريزي كونتر هاد لو فيكتور راه مهمه تاعي عندي اوسي بو كوزي واحد ليتيج بحال نقول انا كنسمعوا ليتيج شي حاجه اللي عندها علاقه بقانون ومحاكم نزاع ليتيج بحال هو النزاع شي حاجه اللي بارفوا تقدر يعني متابعة ديالها يكونوا بحال عندك غرامات أو لا دي سانكسيون سيفيل من بعد كاين لو كو اي افور امبورطون بور افيزي لي بارتي توشي اي سو روميتر دو لا فيولاسيون دونك سو روميتر يتعافى من هاد يعني الا بغيتي ترد ولا ترجع للمستوى المزيان سافا تو كونسومي واحد l'effort, l'effort, ce que tu dis, ou un coût, yani, un budget, parce qu'on a quand même besoin de perdre ma faute ou de sécuriser ou là, tu as fait un dossier qui est lisable.
هنا لي فيكتور دو بيرت دو دوني يعني كيفاش لي دوني نقدروا دار لهم دي بيرت، شنو هما لي فيكتور اللي كدير فيهم لي بيرت دو دوني. عندي لي زيميل بحال اللي شفنا، يعني اي واحد يقدر ياخد لي زانفورماسيون اللي كاينين في لي زيميل ولا في لي سيت ميديا سوسيو، لي ريزو سوسيو. بحال دابا دوك لي زانفورماسيون اللي تيكونوا ينشرهم كما قلنا في Donc les vecteurs les plus courants de perte de données est le logiciel de messagerie, les logiciels de messagerie, et les messages, les messages, la messagerie instantanée, hein, que ce soit WhatsApp ou la Facebook, les messages instantanés directs, et les sites de médias, les réseaux sociaux, par exemple les courriels, des messages instantanés interceptés, ouais, le mail, les mails d'IANA, les serveurs de messagerie, ou la messagerie la quantité interne ou en même temps dans l'accès à l'externe, une sécurité périphérique non cryptée, qui m'a dit que les données font la clé USB ou la clé USB, et le lecteur n'est pas crypté. Il y a des mécanismes ou des techniques, on peut chiffrer ou la crypter un lecteur. يعني اي حاجه حطيتيها في الليكتور سيغا باغ ديفو كريبتي، يعني كتكريبتي غير لو ليكتور و لي دوني اون فوا كو لي ميتي دون لو ليكتور سيغا كريبتي. دونك الا كان ان ليكتور كما قلت نقلتي واحد المعلومه مهمه وضاع منك هذاك لو ليكتور، يعني اي واحد يقدر يشوف هذيك المعلومه. عندك واحد البيسي بورتابل ديالك ولا واحد لا تابليت كتخدم بها، ميم لو تيليفون ديالك ضاع لك هاد البيسي بورتابل، يعني لي دوني ديالك الا كانوا لي ليكتور اللي فيها اي سون با شيفري اوتوماتيكمون راه اكسيسيبل لاي واحد لقى هذاك لو، اما يتسرق لك او لا لقاه غير ماشي حد يقدر يوصل للمعلومات ديالك. كاين لي ديسبوزيتيف دو ستوكاج اون نواج، لي كلاود، لي كلاود نورمالمون سي بور سولا كون دي لي كلاود بوبليك، كاين لي كلاود وكاين دي كلاود. Il y a des clouds, il y a des clouds. Quand des clouds, ils sont offerts par des fournisseurs, les endom la renommée mziana sur Internet. Il y a des endom des responsables de sécurité qui tibbou la sécurité. Quand des clouds, les vraiment la sécurité d'ihom taï hashouya. C'est pour cela que il a quand l'entreprise a un système, il y a une finkad je ne sais pas stockage d'ihla des données. ولا كتستعمل دي زابليكاسيون. المهم لا نوسيون كلاود راكم عارفينها، حنا ناخذ غير لو كا ديال الكلاود بوغ لو ستوكاج. كتحط لي دوني ديالها في واحد، ولا كان هذاك لو فورنيسور ديال الكلاود دو ستوكاج، اما بارفوا كيعطيك اون سوليسيون غراتويت واحد ليسباس، اولا فريمون ني با يعني ان فورنيسور لي دو رونون اللي عنده واحد السمعه مزيانه، يعني هذوك لي دوني اللي عندك ايل بوف تيتر اوسي كومبروميز، يعني حتى هما يتختار. سي بور سولا كو فيت اتونسيون، اي فو ميو يكون عندك ان كلاود ديالك في لونتربريز، ان كلاود بريفي، ماشي بريفي في لا نوسيون ديال البوبليك، ولكن بريفي في لونتربريز اللي كيكون سيكوريزي. حتى ميم هذوك لي فورنيسور ديال الكلاود، سي فري كو واخا كنقولوا عندهم واحد لا غونومي وانت درتي فيهم الثقه انهم يسوفغارديوك لي دوني، ولكن كيدي يعني شكون يقول ان شي حد مالفيون خدام عندهم تما وشي حد يغريه بالفلوس او لا شي حاجه ويجيب ليه دي دوني. دونك سي بور سولا كو ان لي دوني ديالكم سورتو كي سيرون ترانسفيري ديال لونتربريز كي سيرا ترانسفيري pour le stockage cloud, déjà que ça soit chiffré, crypté. Ou deux, il y a l'entreprise, elle a les moyens, il vaut mieux dire un cloud interne, elle a l'entreprise. Sinon, dire qu'il y a des systèmes de sauvegarde, via là, elle m'abrache les données, dire des systèmes de sauvegarde, dire les données, ou dire l'archivage, un autre emplacement, qui est même les archivages ديال لي دوني اللي كيداروا ميم في لا بانك، دي دوني كي سون فريمون امبورطون، يعني بيسكو سي ان اكتيف شي حاجه ثمينه حتى هي، كيقدر لي زونتربريز يخلصوا عليها ويديروها في اون في لا بانك.
Bien sûr qu'il y a de chiffres, ni déjà les données, les FEHA, ils sont cryptés. Les médias amovibles, qui sont les médias qui sont les quatre d'artéidons, la même chose, Khasumikono, cryptés, parce qu'il y a des choses qui sont faites, il sera crypté, ou personne ne peut la lire, sauf celui qui a la clé de décryptage. La logique de crypté-décrypté, ou la clé de cryptage, c'est-à-dire que la clé, il y a les quatre cryptés, il y a les données, pour pouvoir décrypter et lire les données, qui sont décryptées. Il a quand même un lecteur, ou la technique, le lecteur il est crypté, ou il y a le lecteur, il a un autre poste, je ne peux pas le lire, il y a la clé de cryptage, c'est-à-dire que la clé de cryptage, il est indiqué le poste de l'un, peut-être même sécuriser, il y a un poste, on dira, moi je m'entre d'autres choses. Moi, rien pour dire, il disque amovible, il a fait des données confidentielles, c'est que le lecteur, il doit être crypté. Donc les copies conformes, par impression, la copie conforme imprimée, ou une copie conforme, qu'on l'email confidentiel, ou une copie, copie un disque, copie je ne sais pas. Le cloud, l'espace le cloud dialogue privé, yani personnel, le compte dialogue copie. Yani la copie conforme, yani conforme, c'est-à-dire le document essentiel ou la confidentielle, ou même avec la copie, la tsarqat là, qui aura ou les copies conformes, parfois, c'est des déchets. Imaginez si j'ai imprimé chez Haja ou ben, après, je me suis installé là, ça fait, je n'aurais dire, j'ai dit que je me suis avec le papier ou il est au poubelle. Même ben, j'ai eu le ménage, j'ai eu avec les zbilles qui sont les poubelles ou là, donc les papiers, tout le monde, il est au feu. La poubelle publique ou qui sont des gens qui sont directement les poubelles publiques. Les entreprises, mais je suis qu'il y a des documents confiants, qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et je suis l'oracle. Donc c'est pour cela que quand ils mettent des documents confidentiels, qu'il y a le principe de déchiqueter. Qu'il y a des appareils déchiqueteurs de papier. Déchiqueter, un déchiqueteur, il se découpe en petits morceaux. Le fait de découper un document en petits morceaux, il les émet par la suite. Il y a des appareils comme ça, il y a même des déchiqueteurs logiciels. Un document confidentiel, qui veut que le document confidentiel et la vérité, mais qu'on dit les supprimer, ou mais qu'on dit le disque formaté. Il y a des logiciels qui peuvent revenir. Je la supprimer, pour récupérer. Même parmi un format, après un formatage, même physique, il y a la reconstitution des pistes. Hein, le formatage physique, il y a un disque jadid, traçage dialogue physique, les pistes, les secteurs, il y a un disque HDD. Quelqu'un des logiciels, qui les services de police ou okay, des programmes, même après un formatage physique les disques ou les supports, donc c'est pour cela que des logiciels qui sont vraiment râliens à la hasab les qualités d'ialom, qui déchiqueter les données. Déchiqueter les données, ça veut dire qui mozzaq la donnée logiciellement, ce que mettre une récupération d'une bête. Une fois que 12 avec le document, avec le logiciel déchiqueteur, ça fait c'est bon que avec le document, il n'est plus récupérable. Mais qui m'a dit, ça dépend à les logiciels, qui est des logiciels et vraiment qui soient des millions. Un logiciel déchiqueteur, comment on peut l'évaluer? Qui fait le document, il a été déchiqueté. Il y a des logiciels, vraiment,
ما قدروش انهم يسترجعوا لو دوكيومون ديشيكتي، هذوك لي جوزيال كيتباعوا شويه غالي. Contrôle d'accès incorrect, donc les mots de passe sont les premières lignes de défense. C'est pour cela que les mots de passe volés, les chiffres sarqalk, parmi les vecteurs de perte de données, sarqalk les ma'lumat li عندك ديال l'identification, le login ou le mot de passe. Donc il a dit que les ma'lumat ra kandkhol bel compte dialk ou je vais me faire passer pour vous ou nqdar من خلال هذاك لاكسي نقدر نستغل الثقه ديال هذاك البوست ديالك اللي دايروا فيه الريزو او لي سيرفور، نستغل هذيك الثقه ونوصل لهذاك لو سيرفور ولا الريزو. Voilà donc هادو كيلكو فيكتور دو بيرت دو دوني، دونك كيعطيونا نظره على شنو هما لي مويان لي يقدر نضيعوا منهم لي دوني بور ميو لي سيكوريزي. Les réseaux de campus, en général, CAN, c'est une appellation de Cisco, un réseau campus, on va parler d'un réseau LAN, on va parler d'un LAN, ou un ensemble de réseaux LAN qui sont connectés à la superficie, ou à la localisation géographique limitée. Il y a un réseau LAN, un grand réseau LAN. Donc, il y a un réseau LAN, ou des réseaux LAN qui sont connectés à une périphérique limitée. Donc, réseaux de campus sont constitués de réseaux locaux interconnectés dans une zone géographiquement limitée. Voilà, donc c'est un réseau LAN. Voilà, donc il y a un réseau LAN. On va par la suite le schéma. Je vais vous faire les périphériques. Il y a plusieurs périphériques. Les awel marra peut-être que tu as vu. Les périphériques ESA, WSA. Ce sont des proxys pour le. Les serveurs, on se font par la suite, les serveurs web ou les serveurs de messagerie, un pare-feu, comme une notion, je suis allé, comme matériel, donc le pare-feu matériel, hein, voilà. Un pare-feu matériel, voilà, un autre périphérique IDS, même des commutateurs, des postes, moi, c'est le réseau, les reconnaître, neuf l'entreprise, on va voir avec les dispositifs qu'on peut, on peut les sécuriser, en quelque sorte. On va utiliser les termes qui viennent, les serveurs AAA, les dispositifs IPS, les pare-feux, d'accord, non, je vous ferai des termes par la suite. Je vous ferai de quoi il s'agit, comment on peut les utiliser pour sécuriser notre réseau local. Les petits réseaux de bureaux et de bureaux à domicile, ce qu'on appelle communément en anglais SOHO, donc Small Office, Home Office. Ce sont des petits, des réseaux, un petit réseau à domicile, il y a le routeur sans fil, le PC dialogue, je sais pas, les membres de la famille dialogue, les PC, les smartphones, les tablettes, que vous connectez à l'internet, ou là même entre vous, un petit réseau à domicile, normalement. Les attaquants s'intéressent également aux réseaux domestiques. Et nous avons les attaquants qui sont directement les entreprises ou les grandes entreprises, les données, les attaquants, aussi, ils attaquent les réseaux domestiques ou de domicile. Et au réseau petit bureau, au bureau à domicile. Non, les petits bureaux, je ne sais pas, le bureau de l'avocat, de l'tabib, des petits bureaux, il y a 4, 10 des ordinateurs qui sont liés sur le réseau, et il y a un routeur qui sort sur Internet. Il y a normalement ce qu'on appelle aussi les petits bureaux, les réseaux de bureaux. Ils peuvent vouloir utiliser la connexion Internet de quelqu'un gratuitement. Il y a une marangoulo, arba. Attaque les traitements sur le réseau direct et on a utilisé la connexion internet direct d'une manière gratuite favor hein, mais à tous les classé hein, parmi les attaques les mtdaoulin ou les aussi sahlin ou entre guillemets rabi
سي بور سولا الا هاد لاتاك ما دارش لك انك باش تحيد لك دي دوني ديالك. ايماجين لو بوست ديالك فيه لي فوتو ديال لا فامي، فيه لي فيديو ديال لا فامي، انه من خلال هاد انه يخترق لك هاد لو ريزو ديالك ديال لونتربريز، انه يهز لك هاد لي دوني ديالك. وكما قلت يبدا ديفولغي، يبدا يساوم عليهم على حسب النوعيه ديال لي فيديو ديال لي فوتو اللي عندك، يقدر يبدا يساومك عليهم سيغ سيغ انترنيت ولا في لي ريزو سوسيو او في واتساب او على حسب. دونك كيما قلنا انا ils peuvent utiliser la connexion internet de quelqu'un gratuitement. Utiliser la connexion internet pour des activités illégales ou voir des transactions financières comme des achats en ligne. يعني يقدر يستعمل la connexion ديالك باش يدير حوايج اخرين لي ماشي قانونيين، اما باش يدير هو يدوز يدير لاتاك، يعني غيدخل غيمشي يخرج بالاي بي ديالك انه بانه هو كينتمي عنده لا كونيكسيون من الدار عندك، ويمشي جو سي با يدير واحد لاتاك، يبدل جو سي با ياخذ واحد لو فون ديال لارجون من واحد لو كونت يدير الكونت اخر ديال شي بانكا. المهم ملي غادي يرجعوا بحال دابا لانفيستيكاسيون، ملي غادي يجي لا بوليس تكنيك وسيونتيفيك انها ترجع تشوف، غتلقى بان لاتاك دارت عندك من الدار. كي فالور دير بانه راه ماشي شي حد من عندك من الدار اللي دار لاتاك. سي فغي ابخي سير وجي وكيما كنقولوا كيستيون ريبونس هذا، خبروا بار لا سويت يعرفوا بانه راه تو تي فيكتيم ديال لاتاك. مي بيان سور فيها مشق ديال هاد كيما كيقولوا في القانون، القانون لا يحمي المغفلين. يقدر يتبع لي زاشا اللي كدير اونلاين، بحال دابا لي زاشا اونلاين قبل ما تصيفط لي زانفورماسيون انهم يتكريبتا، هو يدير لانترسيبسيون ديال هذوك لي زانفورماسيون ديال لاشا اللي كدير، ويستعمل هو الغرض باش يدير بهم تاو دي زاشا. حيت نورمالمون هذوك لي سيستيم قبل ما تصيفط لي زانفورماسيون بينك وبين لي سيت اي كوميرس كيكونوا نورمالمون شيفري، ولكن خاصك تدخل اون كوميونيكاسيون معاهم. ايماجين دابا يلاه انت غتصيفط هو حيت معاك في غي انترسيبتي، اما يدير لك دي زوتي انه انترسيبتي لك لي فراب ديالك في الكلافي، او لا فريمون هذوك لي زانفورماسيون يشوفهم، يدير واحد دي لوجيسيال انه يشوف ليكرون ديالك كيسكو تو تاب، شنو هما لي هذاك النيميرو ديال لا كارت بانكير ديالك ولي زانفورماسيون بانكير كلهم يبانوا ليه، ومن بعد يدوز هو par la suite les transactions et dire les achats d'hier. Réseau étendu ou ce qu'on appelle aussi le WAN. WAN normalement la différence d'hier où il couvre une grande superficie et une zone géographique étendue ou qui stimule les infrastructures d'hier les fournisseurs télécoms. Donc il y a la différence bien ou bien rebelle le LAN. Le LAN n'a la localisation et la superficie limitée ou le matériel qui fait ce sont la propriété de l'entreprise. Il y a donc les routeurs, les firewalls, les switches, tout le monde sont la propriété de l'entreprise. Par contre, loin, ni que tu veux accéder loin, qu'est-ce qu'on a besoin de contacter un fournisseur de service ou un fournisseur d'accès internet, à la hasab le type d'accès d'end, quand tu veux accéder au service ou une connexion internet. غات كونتاكت اما ان فورنيسور دو سيرفيس ولا ان فورنيسور داكسي انترنيت، بارفوا كيكونوا بجوج هما مجموعين في ان سول اورغانيزم، واحد لوبيراتور كيديرهم بجوج، يعني او ميم طون سي ان سيرفور سي ان فورنيسور دو سيرفيس او ان فورنيسور انترنيت. المهم كتلجئ ليه باش تاخذ هذيك لا كونيكسيون، يعني ان ريزو وان هو نورمالمون ما محدودش في لوكال في البيريفيريك ولا la localisation géographique, il est illimité, étendu, où il utilise l'infrastructure d'un opérateur télécom. Le centre de données, sont les data centers. Donc les data centers d'aujourd'hui stockent de grandes quantités d'informations. Data center, les centres de données, كيكون عندهم دونك
beaucoup de data sets, un centre de données, une grande base de données, ou Arlabia, tu connais un nombre des racks, des disques durs de grande capacité, qui dure au stockage des entreprises, à partir d'un cloud, les centres ou les data, les centres de données en général, qui connaissent sous forme de cloud. Ou aussi qu'il y a la technologie de virtualisation, hein, cloud ou virtualisation, c'est pas la même chose. En même temps, il y a des serveurs d'abord actuellement, là où ce sont des serveurs virtualisés. Donc, il y a les centres de données où il y a une tendance énorme de la virtualisation. Voilà, donc ce sont des disques de grande capacité, des racks de disques de grande capacité, des réseaux de stockage. Les fournisseurs des data centers et bien sûr par les abonnements, les clients d'Yalhome, les entreprises, ils sauvegardent ou les données d'Yalhome. Donc, par conséquent, la sécurité physique est essentielle à son fonctionnement. Il y a le fournisseur, une équipe, ou là, le fournisseur, la renommée, une équipe de sécurité, de telle sorte qu'il veille sur la sécurité des données, les centres de données. Il y a 15 centres de données derrière l'entreprise locale, les grandes entreprises, les budget très qui ce qu'on appelle des réseaux. De sauvegarde hein, avec le SAN Storage Area Network qui connaît l'entreprise, ou la même qui déroule des centres de données dans l'entreprise. Les entreprises les des données confidentielles ou vraiment qui étaient proches des fournisseurs des centres de données publics. انهم وبيان سور عندهم ان بيدجي لان هذاك يتطلب شويه الميزانيه عندهم ان بيدجي محترم انهم يديروا هاد لي سونتر دو دوني اون لوكال ديالهم وديك الساعه يل في على سيكوريتي ديالهم كيجيبوا اون ايكيب دو سيكوريتي انها كتسيكوريزي لهم لي دوني كي سون في هاد لو ريزو دو ستوكاج دونك لا سيكوريتي فيزيك دو سونتر دو دوني بيت ايتر ديفيزي اون دو zone, donc la sécurité du périmètre extérieur, cela peut inclure des agents de sécurité de site, alors imaginez le centre de données, ou même un fournisseur de centre de données. D'après les entreprises Arlabia, ou des agents de sécurité qui diront feu l'externe. D'abord, l'entreprise a la sécurité le périmètre externe ou la sécurité l'interne, périmètre interne. D'abord, la nouvelle approche de la sécurité humaine. Mais la sécurité, c'est-à-dire, bien sûr, l'interne, ou sécuriser l'interne contre l'externe. Là, c'est aussi, dire aussi, la sécurité externe, l'environnement externe de l'entreprise, il doit être sécurisé. Cela, pour sécuriser le périmètre externe, qu'en dire des agents de sécurité le site, hein, les entrées, Kamlil, ou la même parfois qui connaît l'intérieur, qui est des clôtures, les alentours de la clôture, le siège, des clôtures et des barrières, les hawajis qui connaît, il n'y a qu'à dire que les hawajis ou le siège qui connaît de l'alien, سلك او لا المهم على حسب كان اوسي دي سو دي فيديو سورفيونس كاين دي فيديو دابا داك لا لي كاميرا دو سورفيونس كيكونوا في الاكسترن باش يشوفوا شكون اللي تيدخل او اللي كيقرب من لي بيريمتر اكسترن و بارفوا كيكونوا دي كاميرا دايرين بالبيريمتر اكسترن ماشي غير حدا الباب ولكن حتى في لي زوتر يعني لي زون كاشي ديال des alarmes de violation de sécurité donc les appareils qui dit l'indar ديال اي اختراق امني violation de sécurité اختراق امني يعني شي حد بحال بس دين سي با البنكه سدات وجا شي حد دخل من بعد
Il est arrivé à Nauhelbab ou Trel, normalement, qu'il y a des systèmes d'alarme. Ils seront déclenchés. Une béhat ou une darat qui appelle le système, qui déclenche une saute, qui est arrivé à Nauhelbab, date ou une saute. La sécurité interne, la même chose. Cela peut inclure une surveillance vidéo. C'est-à-dire, on dit l'entreprise, avec les couloirs, ou la stratégie de l'entreprise, les vidéos, normalement, il doit dire la vidéo qui est le mot d'affaire, mais il y a des vidéos, qui veulent que tu aies le mot d'affaire. Ou les endroits, il y a des endroits, les mêmes endroits, je dirais, des vidéos. Les salles ou les cabinets de toilettes les entreprises ils doivent préserver l'intimité d'ils monde d'affaires d'accord moi qui des les caméras de surveillance ou en il y a parfois ils connaissent aussi des pancartes qui elles هاد البلاصه راه فيها دي كاميرا فيديو وكاين كيما قلت بلايص اخرين اللي ديجا انتردي انك دير فيهم دي كاميرا دي ديتيكتور اوسي دو موفمون الكترونيك ان ديتيكتور دو موفمون بحال شي اباري اللي كتكشف ليا الحركه يعني اي حاجه دازت من حداها بحال هذوك les détecteurs de mouvement liquide de refaire les voitures, qui est des voitures, un carré la carte il est là, quatre sonnets, il va émettre des détecteurs ou la descend ou la voix de l'alarme, mais ce que tu as. Encore moins, qui est voix de les détecteurs, un outil que je fous, même le haraka d'il est la chèque de Zmida. Qui est des capteurs d'accès, les capteurs. Les capteurs d'accès et de sortie biométriques. Il y a aussi un changement. Il y a un agiza. Il y a un agiza. Il y a un agiza. Il y a le terme estichar, de chol ou le chorouge. Il y a un détecteur. C'est la même chose qui est d'arrof le bab ou le hadab. Je vais le chol ou je vais le chorouge. Il y a plusieurs possibilités. Mais si vous avez des connus, vous avez des الحساب لي زونتربريز الاغلبيه ديال لي زونتربريز كيديروا دي كاميرا لي زونتربريز بحال لي بنك وهادو اللي عندهم لي زاكتيف ديالهم ولي زاكتيف ديال الناس اخرين فلوس لان البنك عندها لارجون اوسي ديال دي كليون ديالها كدير هاد لي ديتيكتور بيومتريك لي ديتيكتور ديال لي زاكسي كاين ميم دي بياج كدير دي بياج بحال دابا اون سال كتكون فيها دو بورت كتدخل ب ب ب بواحد نقولوا بحال دابا بالبصمه ديالك ولا هذا المهم واحد لاكارت ديال باش كتحل الباب الاولى وان فوا كتدخل الباب الاولى